Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole. Est-ce que vous avez la joie du Seigneur dans votre cœur? Combien de personnes aimeraient être ailleurs en vacances? Personne? Je vais lire un passage dans Matthieu 11. Au verset 28, Matthieu chapitre 11, au verset 28, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler dans ce passage. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. Père céleste, nous te louons, nous te bénissons ce matin. Que cette parole pénètre nos cœurs. Je prie pour les personnes qui vont écouter par YouTube, des gens qui écoutent dans le monde entier. Je te demande, Seigneur, de toucher leur cœur, de sauver, d'éclairer. Seigneur Jésus, tu es le seul vrai sauveur du monde. Que ton esprit témoigne au cœur et souligne cette réalité. Père, que chaque personne ici soit touchée par ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons des gens qui troublent les églises, qui mettent des messages un peu partout sur l'Internet pour attirer des disciples. Ils disent que le salut n'est pas dans la Bible. Ils disent que chaque génération a besoin d'un seul prophète, un vrai prophète, avec la révélation de Dieu, et que personne ne peut être sauvé à moins d'accepter et de suivre ce prophète-là. En réalité, le salut, en tout cas le chemin vers le vrai salut, se trouve uniquement dans ce livre qui est la parole de Dieu. La parole du Christ et le Nouveau Testament. Il a dit, ma parole est esprit et vie. C'est cette parole qui peut nous sauver, nous guérir, nous délivrer et changer chaque détail de notre vie. Oui, ils disent, on a besoin d'un prophète. Ils ont raison. Ils ont tort. Jésus-Christ est le prophète pour notre génération et pour toute génération future, jusqu'à son retour. Si vous n'avez pas une relation réelle avec lui, personnelle, si vous n'avez pas reçu son esprit dans votre cœur, dans votre corps, si vous ne suivez pas ce prophète-là qui est aussi Dieu, le Fils, vous n'avez rien. Vous ne serez pas sauvés. Si vous suivez un homme à la place du Seigneur Jésus-Christ, votre place en enfer est assurée.
Si vous suivez Jésus-Christ réellement, marchant selon sa parole et selon son esprit, votre place au ciel est assurée. Amen. Permettez-moi que je vous explique plusieurs choses. Il n'y a que deux prophètes dans la Bible, deux prophètes principaux, par qui Dieu a parlé, par qui il a révélé ses doctrines, ses exigences. Tous les autres prophètes aujourd'hui, doivent rester dans le contexte de ce qu'il a révélé à deux prophètes. Mais en fait, le deuxième a remplacé le premier. Qui sont les deux prophètes? Moïse et Jésus-Christ. Au travers de Moïse, Dieu a révélé qu'il fallait qu'on verse le sang. Selon Hébreux 9 au verset 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Au travers de Moïse, Dieu a donné les 10 commandements et toutes les choses qu'il voulait pour son peuple. La première alliance. Mais Moïse, dans le Deutéronome, au chapitre 18, a prophétisé qu'il y aurait un autre prophète après lui, avec les commandements de Dieu. Et si qui que ce soit n'écoutait pas ce prophète-là, il serait retranché du peuple. Il serait tué. Il serait condamné. Les deux alliances signées avec le sang. En fait, il fallait que Jésus-Christ vienne. Parce que la première alliance n'avait que le sang d'animaux. Et selon Hébreux chapitre 10, ce sang-là ne pouvait pas vraiment ôter les péchés. Il fallait que Jésus-Christ vienne, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, qu'il reste sans péché, qu'il soit un sacrifice parfait. La Bible dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans commettre de péché. La Bible dit qu'il s'est donné volontairement, par amour, par obéissance envers le Père, par amour envers chacun de nous. Jésus-Christ voudrait sauver tous les hommes, comme Dieu le Père désire sauver tous les hommes. Mais il ne peut pas sauver les gens qui ne passent pas par une pleine repentance. Il ne peut pas sauver ceux qui ne placent pas leur confiance uniquement en Jésus-Christ. C'est uniquement son nom qui sauve. En fait, j'ai fait une liste, si vous avez un stylo, un morceau de papier, ou si vous n'avez pas de papier, vous pouvez même l'écrire au début de votre Bible, car vous pourriez l'utiliser pour témoigner, pour convaincre comment être sauvé. Revenons aux deux prophètes. Pierre, dans Actes, chapitre 3, a parlé de ce que Moïse avait dit. Si je parle de ces deux prophètes, c'est pour expliquer qu'il n'y a pas un prophète pour chaque génération avec une nouvelle révélation doctrinale. Il n'y avait que la première alliance remplacée par la deuxième alliance. Tous les prophètes poussent les croyants à mettre en pratique les paroles du Christ. Tous doivent pousser les croyants
à recevoir l'Esprit du Christ et à suivre Jésus-Christ. Il n'y a pas de salut ailleurs. Comment être sauvé? Enfin, je vais lire quand même, peut-être avant, dans Acte 3, ce que l'apôtre Pierre a dit. Je vous encourage à lire les Actes des apôtres et les messages des apôtres. Je vais lire uniquement une partie du discours de Pierre. Je vais lire à partir du verset 16. C'est par la foi en son nom, le nom de Jésus. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Il y a un homme guéri miraculeusement grâce à la prière au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vous, vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète, sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes ont successivement parlé, depuis Samuel, ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec vos pères, en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Je vous donne la liste pour savoir comment être sauvé. Tout d'abord, Romains chapitre 10 au verset 13. Nous devons invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons prier nous-mêmes avec foi pour qu'il nous sauve. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous devons comprendre qui il est. Il est Dieu le Fils. Nous devons accepter de lui faire confiance dans tous les domaines. 2. Nous devons placer notre confiance uniquement dans le nom de Jésus-Christ, non pas dans le nom de qui que ce soit d'autre. Ce n'est pas un autre homme qui peut vous sauver. Ce n'est pas une église qui peut vous sauver. Vous avez besoin d'une relation personnelle et réelle avec Jésus-Christ. Acte 4, au verset 11 et 12, le souligne. Il n'y a aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. Selon Philippiens chapitre 2, Jésus-Christ était égal avec le Père, il s'est dépouillé, il s'est humilié, acceptant de devenir un homme.
Et Dieu le Père lui a donné le nom Jésus, qui est au-dessus de tout autre nom. Et un jour, tout homme, toute créature dans l'univers sera obligé de se mettre à genoux, criant « Qu'il est Seigneur, il est Dieu ». Lui est le seul sauveur, fils de Dieu, le prophète qui a déjà partagé avec nous toute la doctrine dont nous avons besoin. Personne ne peut ajouter ou retrancher quoi que ce soit que nous avons dans le Nouveau Testament. Il a tout révélé par son esprit à ses apôtres. Nous devons rester dans le contexte que nous avons par écrit de ses apôtres. Acte 3 le souligne. Matthieu 7 le souligne. Hébreux 7 au verset 25. Nous devons nous approcher de Dieu le Père par Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, comprenant que c'est uniquement grâce à son sacrifice au calvaire que nous avons le droit d'entrer dans la présence du Père. Hébreux 7, au verset 25, nous dit que Jésus-Christ sauve de manière parfaite tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Essayez d'entrer par un autre chemin, une autre personne, et vous serez rejetés de manière catégorique. 4. Selon Romains 10, du verset 8 jusqu'au verset 13, nous devons confesser notre foi en Christ publiquement. Notre foi dans sa résurrection. Et nous devons, comme je l'ai déjà dit, invoquer son nom en tant que Seigneur. 5. Nous devons passer par une pleine repentance, changeant de mentalité, renonçant à notre propre volonté pour mettre sa volonté, sa parole en pratique. Jésus-Christ a partagé avec le monde les commandements du Père qui ne changeront jamais. C'est cette parole qui nous jugera, selon Jean 12 et selon Jean 5 au verset 22. Dans Acte 2, à partir du verset 36, l'apôtre Pierre a expliqué ce qu'il fallait faire. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Nous devons passer par une pleine repentance et par un baptême, par immersion totale. C'est le signe extérieur de ce qui s'est passé dans notre cœur. Une pleine repentance signifie qu'on meurt par rapport au péché, par rapport à sa propre volonté. On accepte Jésus comme Seigneur, comme le Maître. Pourquoi les eaux du baptême par immersion totale? C'est symbolique de notre mort et de notre ensevelissement, c'est aussi notre identification avec le Christ qui est mort, qui était enseveli pour nous et qui est ressuscité. Quand nous quittons les eaux du baptême, c'est en étant ressuscité pour marcher en nouveauté de vie.
avec le but de devenir comme Jésus-Christ dans les moindres détails, dans notre manière de penser, de parler, d'agir, de réagir, et dans notre manière de nous habiller. Tout doit glorifier le Seigneur. Tout doit avoir l'accord du Seigneur. Selon 1 Pierre chapitre 3 au verset 21, ce n'est pas le baptême en lui-même qui nous sauve. C'est l'engagement de notre baptême. L'engagement de garder une bonne conscience. C'est la raison pour laquelle nous disons aux gens de ne pas se faire baptiser trop vite. Il faut avoir une certaine victoire. Il faut permettre au Seigneur Jésus-Christ, par la prière, le jeûne, c'est pas quoi d'autre, par la méditation de sa parole, qu'il libère. Si on est toujours lié par quelque chose, on ne peut pas avoir une bonne conscience. Nous devons confesser tout péché, nous devons abandonner tout péché pour avoir une bonne conscience. Nous pouvons faire des erreurs après le baptême, mais tout de suite, le Saint-Esprit en nous va troubler notre cœur et nous allons et nous devons confesser la chose immédiatement pour qu'il nous purifie et pour qu'il nous délivre de cette faute, de ce problème. 6. Nous devons recevoir l'Esprit du Christ véritablement en nous. Ce n'est pas une théorie, ça doit être une réalité. Si Christ est en vous par son Esprit, selon Romains chapitre 8, il rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfants de Dieu. Il nous donne une certaine assurance. Il agit au niveau de notre conscience. Comment recevoir l'Esprit du Christ? Et ce n'est pas uniquement par la prière. Il y a énormément de gens qui prient, mais prient incorrectement. Il y a énormément de gens qui se disent chrétiens et qui ne sont pas du tout chrétiens. Selon Jean chapitre 14, à partir du verset 15, Jésus-Christ a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. » Il continue en parlant de cette relation glorieuse avec lui et avec le Père. Celui qui garde sa parole sera visité, il dit, par le Père et lui-même. Si vous voulez la présence de Dieu véritablement dans votre vie, vous serez obligé de veiller sur votre vie en mettant tous les commandements du Christ en pratique attentivement. Si vous voulez garder sa bénédiction, vous serez obligé de continuer dans ce chemin-là. Faisons attention que vous soyez en train de mettre sa volonté, sa parole en pratique. Romains chapitre 8, au verset 9, nous dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Nous devons avoir l'Esprit du Christ pour être sauvés. Nous devons quand même prier. Il en a parlé dans Luc 11. Et il voudrait que nous recevions la plénitude de l'Esprit, que nous soyons pleinement sous le contrôle du Saint-Esprit. Si le parler en langue n'est peut-être pas nécessaire en ce qui concerne le salut, c'est nécessaire
si nous voulons accomplir toute sa volonté. Il a demandé aux disciples de ne pas quitter la ville de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père. Il a dit dans Actes 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Il vient dans nos cœurs par la foi. Il veut nous remplir et nous immerger dans sa présence pour qu'on soit des croyants puissants, des témoins efficaces. 7. Nous devons nous laisser véritablement conduire par son esprit tout au long de notre vie. Je ne suis pas contre la prophétie. Je ne suis pas contre le ministère du prophète ou d'apôtre ou des docteurs ou de pasteurs ou je ne sais pas quoi d'autre. Mais j'écoute Jésus-Christ en premier. Tout homme peut être menteur. Jésus ne ment jamais. J'ai même honnêtement, j'ai un problème avec les titres. J'aime pas les titres. Je reconnais le ministère de quelqu'un qui est vraiment apôtre, envoyé. Mais j'aime pas l'appeler apôtre. J'aime pas ça. Pierre, qui était un vrai apôtre, parmi les 12, dans 1 Pierre chapitre 5, s'est présenté plutôt comme ancien, parmi les anciens, parce qu'il comprenait ce que Jésus avait dit dans Matthieu 23. Personne ne doit s'élever au-dessus des autres, nous sommes tous des frères. Nous avons tellement d'organisations religieuses qui ne suivent pas ce que Jésus a dit. Il désire que nous soyons humbles. Il élève les gens humbles, il abaisse les orgueilleux. Nous devons suivre l'Esprit du Seigneur. Oh, j'écoute s'il y a une prophétie, s'il y a quelqu'un qui a manifesté par des prédictions qu'il était prophète, mais je cherche toujours la voix du Seigneur. Vous remarquerez dans les Actes des apôtres que dans toutes les églises, il y avait des prophéties. Il y avait Magabus qui a présenté sa prophétie de manière spectaculaire. Et les chrétiens pleuraient parce qu'en fait, toutes ces prophéties disaient que si Paul accepté d'aller à Jérusalem, il serait lié de chaînes. Qu'est-ce que Paul a fait? Est-ce qu'il a écouté ses prophéties? Est-ce qu'il a suivi Agabus? Absolument pas. Il leur a dit, mais cessez de pleurer, je connais déjà tout cela. Dieu m'a parlé et je dois aller. Je sais que je serai lié. C'est la volonté de Dieu et j'accepte sa volonté. Vous savez, j'aime pas le dire, mais la vaste majorité des prophéties qui sont données aujourd'hui sont fausses. La vaste majorité des gens qui se disent prophètes, apôtres et tout le reste, Dieu ne leur a pas donné ses places ou ses titres. Nous devons suivre le Seigneur ou nous serons trompés par les hommes. Nous devons avoir une relation personnelle vraiment profonde ou nous serons trompés. Je vous ai parlé d'un mouvement qui met l'accent sur les titres et tout le reste. Vous savez, le problème avec les titres, si vous donnez le titre de prophète à quelqu'un, tout de suite, l'idée c'est que la personne est infaillible, il ne peut pas se tromper.
un de nos anciens pasteurs associés, qui était avec nous, avant qu'il soit marié, il était dans ce mouvement. Et le plus grand des prophètes dans ce groupe a prophétisé sur lui qu'il allait se marier avec telle et telle personne. Déjà, je vous dis d'avance que je suis contre de telles prophéties. Je n'y crois pas un instant. Mais il a prophétisé que mon ami allait se marier avec telle et telle personne. Donne-le nom. Le problème, c'est que cette personne s'était mariée 2 semaines avant avec quelqu'un d'autre. Et le, entre guillemets, prophète ne le savait pas. Vous savez, c'est très grave de prophétiser et de se tromper. Selon l'Ancien Testament, à l'époque de Moïse, si quelqu'un prophétisait et la chose ne s'accomplissait pas, le prophète était mis à mort. Si à l'époque, un prophète prédisait quelque chose et la chose s'accomplissait, mais c'était quand même une parole contre les doctrines de Moïse, il était mis à mort, car la prophétie qu'il avait donnée n'était pas de Dieu, mais du diable. Jésus-Christ a dit que dans les derniers temps, il y aurait des esprits de séduction dans toutes les églises pour nous amener loin de la vérité. Chaque vrai chrétien a besoin d'une foi dans les paroles du Christ. Ce que nous avons dans le Nouveau Testament ne changera jamais. Lisez 1 Corinthiens chapitre 15, les 2 premiers versets. Si quelqu'un change quoi que ce soit, sa foi est vaine. Lisez 2 Jean à partir du verset 9. Si quelqu'un vient avec d'autres doctrines, nous poussons à mettre notre confiance dans une doctrine nouvelle, une révélation nouvelle, une personne, un nom nouveau. Ne le recevez pas dans votre maison. Ne lui dites même pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Jean a dit, une telle personne qui ne demeure pas, quiconque ne demeure pas dans la doctrine du Christ, mais va plus loin, n'a point Dieu. Jude dit au verset 3 que nous devons combattre pour la foi qui a été livrée aux saints une fois pour toutes. Nous ne pouvons pas changer le message du Christ que nous avons dans le Nouveau Testament, que nous avons grâce à lui et par l'Esprit qui a révélé le reste à ses apôtres. Galates 5 parle de l'importance de marcher selon son esprit. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est son esprit en nous qui nous aide à être plus que vainqueurs, à éviter les pièges du monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. L'orgueil. Je viens d'en parler. C'est dans l'Église. C'est dans les titres. C'est dans les recherches de gloire personnelle quand Jésus-Christ est celui qui doit être glorifié. À lui, toute la gloire et l'honneur. Nous ne sommes que de pauvres pécheurs sauvés par la grâce. C'est lui qui doit être élevé et glorifié. Lisons dans Galates 5.
Réveillez la personne à côté de vous. Merci. Si quelqu'un est endormi. Dites à la personne à côté de vous, Dieu désire que vous soyez sauvés. Suivez Jésus-Christ. Ne suivez aucun homme. Je ne vous demande pas de me suivre. J'essaie de vous pousser à comprendre la Bible vous-même et à recevoir le Christ et à suivre le Christ. N'importe qui peut dérailler. Je vous ai parlé d'un pasteur à Nantes il y a quelques années. Il avait gagné beaucoup d'âmes. Son église grandissait. Il prêchait la sainte doctrine. Mais tout d'un coup, il a commencé à prêcher de manière bizarre, à enseigner de fausses doctrines. Et personne ne s'est opposé à cela. Toute personne dans l'Église l'a suivi dans cette folie. Quelque temps après, très peu de temps après, il est décédé. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il avait une tumeur sur le cerveau. Il n'arrivait pas à raisonner correctement. Beaucoup de choses peuvent se passer. Notre confiance ne doit jamais être pleinement dans un homme. C'est Jésus-Christ que nous suivons. Malheureusement, les hommes peuvent aussi être trompés par le diable. Selon 2 Corinthiens chapitre 11, le diable se transforme en ange de lumière pour nous tromper. Il accomplit des miracles. Même quand on prie au nom de Jésus, c'est peut-être pas Jésus qui agit. Si on est dans la fausse doctrine, c'est le diable qui agit. Jésus confirme la vérité. Le diable confirme le mensonge par des miracles. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit dans Matthieu 7 qu'au jour du jugement, il y aurait un certain nombre de personnes disant, mais j'ai prophétisé en ton nom. J'ai fait des miracles, j'ai chassé des démons en ton nom. Et Jésus va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Partez, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est le fait d'agir comme rebelle contre sa parole. C'est différent du mot péché. Nous pouvons pécher par faiblesse, mais l'iniquité, c'est le fait d'agir directement contre sa parole. Dans Galates 5, au verset 16, « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Au verset 19, « Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. » C'est la sexualité. N'importe quelle forme en dehors d'un mariage légal. L'impureté. Nous devons chasser tout ce qui est mauvais de nos cœurs, de nos pensées. Si un homme convoite une femme, si un homme voit une femme, la convoite dans son cœur, il a déjà commis un adultère avec elle. Dieu nous juge au niveau de nos pensées. C'est la raison pour laquelle nous devons absolument éviter les fils, ce qui est sur l'Internet, la nudité, la pornographie et tout ce qui est lié à cela. Nous devons chasser toute pensée mauvaise. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. Tout ce qui touche à l'occultisme, les horoscopes et tout le reste. Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes,
l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. La cigarette, la drogue et toutes les choses qui peuvent être liées à chaque mot que nous avons cité. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mes amis, l'Esprit du Christ entre en nous pour nous libérer du pouvoir du péché. Nous devons être libres. Nous devons rester libres ou nous ne serons pas sauvés. Nous ne serons pas sauvés. Le verset 24 nous dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Le verset 22 dit, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il nous donne la maîtrise de nous-mêmes. Il nous libère de l'esclavage du péché et des habitudes mauvaises. C'est indispensable. C'est indispensable. Réveillez la personne à côté de vous encore et dites-lui, c'est indispensable. S'il demande qu'est-ce qui est indispensable, vous allez le lui expliquer. En Thessaloniciens 4, nous sommes toujours dans le contexte du numéro 7. Nous devons nous laisser conduire par l'Esprit. Il nous donne la victoire. Il nous aide à accomplir la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit dans 1 Thessaloniciens 4? Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Qu'on soit séparé d'avec le monde. Qu'on soit séparé d'avec le péché. Qu'on soit libéré du pouvoir du péché. L'impudicité, la malhonnêteté dans les affaires, l'impureté. Malheureusement, nous avons des gens qui, au nom de Dieu, vont jusqu'à prêcher que ces choses ne sont pas mauvaises. Paul dit que personne ne vous trompe. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu sera manifestée contre les hommes. Je vais terminer en disant ceci. Je ne veux pas vous donner l'impression que le salut est par les œuvres. Bien que nous ayons parlé de toutes sortes de choses, le salut n'est pas par les œuvres. Personne ne sera sauvé par les œuvres. Le salut est saisi par une relation avec Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ. Nous devenons l'ouvrage du Christ. Lisons Éphésiens chapitre 2 au verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Qu'est-ce que ce mot grâce signifie? Que nous ne la méritons pas. Vous ne serez jamais assez saint pour aller au ciel, par vous-même, par vos œuvres, par votre propre justice. Jamais, jamais, jamais. Nous devons saisir, nous devons recevoir cette grâce, ce salut, par la foi en Christ. C'est parce que Jésus était sans péché. C'est parce qu'il a été déjà jugé à notre place pour nos fautes,
condamné pour nos fautes, que nous pouvons recevoir le pardon. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Même la foi que vous avez est un don de Dieu. Dieu a placé la pensée de l'éternité dans nos cœurs. Il a donné une mesure de foi à tout homme. Nous pouvons l'étouffer ou nous pouvons l'utiliser pour saisir la main du seul vrai sauveur. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais nous avons tellement de gens qui sont en train de se glorifier. Mais les anges ont chanté à ma naissance. Oui, il y en a qui le disent. Nouveau prophète, prophète de notre génération. Les anges ont chanté à ma naissance. Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Excusez-moi. Mon œil. Et même quand il y a de vrais miracles, Jésus avait prédit que les faux prophètes, les faux Christ, dans les derniers temps, accompliraient de très grands miracles par la puissance du diable pour tromper. Le diable confirme les fausses doctrines par des miracles. On peut utiliser le nom de Jésus, tout ce qu'on veut, mais si les doctrines sont fausses, le diable est là. Jésus n'est pas là. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Notre foi n'est pas dans les œuvres, notre foi est en Christ. Nous permettons qu'il nous change. Il y aura de bonnes œuvres parce que Dieu change notre cœur et notre vie, parce que nous devenons comme lui. Mais ce n'est pas ça qui nous sauve. C'est une grâce. C'est Jésus. C'est notre foi dans son sang qui nous donne la paix avec Dieu et qui nous sauvera de la colère à venir. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts, avec les yeux fermés, les fronts courbés. Je vous demande d'être honnête avec vous-même. Est-ce que vous avez invoqué le nom du Seigneur avec foi, renonçant à votre propre volonté, passant par une pleine repentance, un changement de mentalité, comprenant que vous devez mettre en pratique tous ses commandements attentivement, afin de recevoir son esprit et non pas un esprit de séduction. Il y a énormément de gens qui se disent chrétiens, qui sont trompés par des esprits mauvais, qui imitent la présence du Saint-Esprit. Il n'y a que la sainte doctrine qui fait la différence. Notre attachement à la vérité. Ce qui est troublant, c'est que dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, si une personne n'a pas l'amour de la vérité, si une personne ne veut pas abandonner l'injustice, cette personne peut croire en Dieu, en Jésus-Christ, mais Dieu va lui envoyer une puissance d'égarement pour qu'il croie au mensonge et qu'il soit trompé par de faux prophètes et par l'Antéchrist qui est prophétisé. Dieu aime les gens qui, avec des cœurs honnêtes et bons, reçoivent la parole avec foi. Peut-être que vous ne l'avez jamais fait ou vous avez prié, mais vous n'avez jamais vraiment saisi ce que j'ai présenté ce matin.
Je voudrais prier pour vous. Si vous avez envie de mettre votre vie en règle, si vous avez envie de saisir l'assurance de votre salut, pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, faites-moi signe. En élevant votre main juste pour un instant, je la verrai et je prierai pour vous. Merci. Merci, oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Merci. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Avons compris ce matin. Vous voulez saisir la main du seul vrai sauveur. Vous voulez recevoir son esprit en vous. Vous voulez marcher selon son esprit dans une pleine victoire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Merci. Oui. Je vous invite à vous lever, toute l'Église. Restons dans une attitude de prière.